Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau, une nouvelle, ou un nouveau, je ne sais pas comment ça se dit, mais un no can tag, ça voudrait dire qu'il n'y aura pas de montage dans cette vidéo, pas d'intro, pas d'outro, pas de musique à l'arrière, désolé, ça fait qu'il n'y aura pas de montage quoi. Alors s'il y a des bugs ou des coupures, ben ça sera en plein la vidéo et j'espère que ça vous plaira quand même. Bon, il y aura quand même le petit logo du projecteur parce que je serai obligée de le mettre dans le logiciel du montage pour l'exporter. Mais il n'y aura pas de montage du tout. Notre cher caméraman va nous poser des questions et je vais pouvoir vous y répondre. Et c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Première question. Ton âge et si t'es majeur, ta profession ? Alors mon âge, ben, j'ai 21 ans et ma profession, être youtubeuse à mi-temps. Non, je ne fais rien du tout. Deuxième. Pourquoi le mot court est-il plus long que le mot long ? Alors le mot court, ben, ça peut être court parce que déjà il n'y a que 4 ou 5 lettres. Et le mot long, ben, c'est déjà... c'est petit mais c'est long parce que quand tu attends 2 minutes, ben, 2 minutes ça peut être long alors que 30 secondes... Ça peut être très très court, et même l'inverse, 30 secondes, ça peut être très très long si t'attends vraiment 30 secondes comme ça, à attendre à rien faire. Alors que 2 minutes, ben, ça peut être hyper rapide si t'es occupé. C'est pour ça que ça fait court, long, voilà. Ok. Troisième question, as-tu un fiancé ? Non. Quatrième question, est-ce que tu aimes Eva faire des vidéos ? Alors oui, je l'aime bien, Eva faire des vidéos. Pour vous dire qui c'est une... petite youtubeuse qui est plus haute que moi en abonnés, qui a 1000 ou 2000 abonnés, je sais plus trop exactement, mais qui fait un peu de l'humour dans ses vidéos, qui essaie de faire de l'humour et qui des fois c'est bien drôle quand même, avec des montages un peu sympathiques. Et puis voilà, si jamais vous aimez l'humour, ben, vous pouvez aller sur sa chaîne en marquant Eva faire des vidéos et vous allez la trouver. Ok. Cinquième question. C'est quoi ton portable ? Mon portable actuel qui est en train de vous filmer, c'est un Samsung Galaxy S8. Waouh ! On applaudit. De toute beauté. Question numéro 6. As-tu d'autres projets pour plus tard ? Et si oui, lesquels ? Mais comme tout le monde, avoir un boulot, une maison, faire sa vie, quoi. Faire sa vie entière, quoi, c'est tout, hein. Et pouvoir continuer... Oui, mais faire sa vie, tu peux prendre des animaux... T'as dit une maison, mais t'as pas parlé des animaux, des enfants, tu t'en fous. Non, mais tout ce qui concerne la vie, les enfants, les animaux, la maison, le chéri, le boulot, voilà quoi. La voiture. La voiture, surtout la voiture. Question numéro 7. Penses-tu réussir à avancer sur YouTube ? Je l'espère, et de toute façon, tant que je n'aurai pas... le matériel nécessaire pour faire le montage, enfin pour faire les vidéos, bah ça fait que je ne montrerai pas, mais dès que j'aurai un bon PC, une bonne caméra, tout ce qu'il faut, enfin j'ai que juste la moitié, mais d'accord. On va reprendre au matériel, ça fait que j'ai juste la moitié, j'ai un petit ordi qui est un tout petit peu plus puissant que mon ancien, mais je ne peux pas faire énormément de choses comme je le voudrais. Et j'ai un petit trépied qui m'aide à tenir le téléphone, comme ça le cadrage ne bouge plus comme avant et ça fait que la qualité elle est déjà là. Mais il faudrait une caméra, si je voyage, etc. ça sera mieux. Nous allons passer à la question suivante, j'espère avoir tout répondu. Oui, mais du coup la question 8 c'est en rapport avec la 7 aussi. Donc comptes-tu faire de YouTube ton métier ? Si j'y arrive, oui. Ok. Question 9 du coup. Quel PC utilises-tu ? Alors, je n'ai pas le nom exact. Je sais que c'est un HP. Toujours dans les HP. Mon ancien aussi était un HP. Le processeur est un AMD, si je ne me trompe pas. Et après, je sais que c'est un ProBook. Après, je n'ai pas le nom exact. Et vu qu'il n'y a pas de montage, je ne peux pas vous marquer exactement le nom exact. Ok. Question numéro 10. Comment devenir modérateur sur ta chaîne ? C'est une très bonne question. Alors si vous voulez être modérateur, il faudra être actif sur les lives du début jusqu'à la fin. Enfin, peut-être pas du début jusqu'à la fin, mais une bonne moitié d'être actif tout le temps, tout le temps, tout le temps à chaque live que je lancerai.
Bon, après, avec t'actives sur les vidéos, mais bon, ça comptera pas pour la modération, parce que la modération, c'est juste pour les lives, ça voudra dire être actif sur les lives. Et si vraiment vous voulez être modo, ben, faites votre candidature et vous me l'envoyez sur Discord. Voilà. Envoyez votre CV. Alors, question numéro 11. À quoi ressemblera ta vie dans 50 ans? Oula! Alors attendez, je suis voyante, attendez, attendez. En 50 ans, youtubeuse, deux enfants, un beau mari, une belle maison, retraitée. Voilà, non, je sais pas. Je ne Tu sais seras le pas. genre de petite vieille à regarder par la fenêtre s'il y a du mouvement? C'est ça, moi. Qu'y a-t-il dehors? Oh, des gilets jaunes, nous restons à la maison. Génial. Alors, numéro 12, où voudrais-tu vivre? Alors, je ne peux pas savoir où je voudrais vivre. Enfin, je voudrais vivre à l'endroit où je suis, dans le pays où je suis, exactement où, je ne sais pas. Ça dépendra des prix des maisons ou des appartements. Après, vu que je ne voyage pas beaucoup, je ne peux pas trop savoir. Mais si, exemple, je voyage et que le pays me donne envie de vivre ici, bah peut-être que je me dirais, tiens, pourquoi pas vivre ici? Et puis, voilà, ça sera au fur et à mesure du temps. D'accord. Numéro 13, vas-tu faire une salle de concert? Je ne suis pas architecte en concert, je ne peux pas créer de concert comme ça, en mode, allez, alors demain, nous allons faire un concert par ici, par là. Non, bah non, je ne peux pas faire de concert. Du coup, 14, vas-tu faire une tournée? Une tournée, est-ce que je vais tourner? Eh ben non, je ne vais pas tourner, ni faire de tournée de chanteuse non plus, parce que j'en suis pas une. Alors non, pas de tournée. Numéro 15, pourquoi séparer s'écrit-il tous ensemble alors que tous ensemble s'écrit séparément? Ben parce que séparé, séparé, c'est trois mots, non, je sais pas, c'est parce que c'est séparé quoi. Et tous ensemble, parce qu'on est tous ensemble regroupés, même si c'est en deux mots, mais c'est deux mots comme ça, que tu peux coller, ça fait tous ensemble. Et que alors séparé, quand t'es dans un groupe, tu peux être séparé, un groupe de deux, un groupe de trois, alors que tous ensemble, ben, tu es tous réunis ensemble. Voilà. D'accord. Question 16. Quel animal te correspond avec ta personnalité? Alors là, je sais pas du tout. Bon, pour vous dire, j'ai fait un petit test sur internet, ça m'a dit le chien. Alors je sais pas du tout si le chien peut être ma personnalité. Je ne connais pas d'animaux qui est timide, sauf si t'en connais un. Le chat, un Le peu. chat, ça peut être timide. Ouais, bah les Si chiens aussi, ça dépend je... après. Ouais, ben, enfin, le chien, c'est plus l'animal de l'homme. Le chat de la femme, non, je sais pas. Toi, t'es le meilleur ami des hommes. T'es un chien. C'est ça, waf waf. Je sais pas, le chat, le chien, voilà. Du coup, dernière question. Si t'as un amoureux, va-t-il faire des vidéos avec toi? Alors ça sera vraiment à lui de me dire s'il voudra ou pas. Ça sera à son intimité. S'il voudra participer à certaines de mes vidéos, bah il pourra. S'il veut pas, bah il veut pas. Je vais pas le forcer en mode allez, viens, viens faire des vidéos. Alors voilà, hein, c'est lui qui choisira, c'est tout. Et du coup, tu serais pas contre l'idée de former un duo. C'est ça. Je ne serai pas contre. Génial. C'était la fin? Du coup, ben voilà, c'est la fin du game. C'est la fin du game. Non, c'est la fin des questions. Bah, sur ce, j'espère que cette No Contact vous aura plu. Sur ce, bah, je remercie la caméraman d'avoir répondu, d'avoir posé ces questions. De rien, ça fera 50 euros. 50 euros en bisous, surtout. Ça te va? Ah non, c'est pour ton amoureux. Ou en câlin, alors. Ça va. Un câlin, c'est mieux. Bah, sur ce, bah, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et si jamais vous avez d'autres questions, mais pour une FAQ cette fois-ci, n'hésitez pas à me les proposer ou des tu préfères pour une prochaine vidéo ou des idées ou des challenges ou des défis. N'hésitez pas à les dire en commentaire et je vous dis à la prochaine. Bye bye.